Patrick Fiori se trouve actuellement confronté à une situation complexe et délicate. Bien qu'il soit maintenant engagé dans une relation avec Charlène, la mère de son troisième enfant, le chanteur semble n'avoir pas encore complètement refermé le chapitre de sa vie avec Ariane Quatrefages, son ex-femme, même en dépit de la procédure de divorce en cours. Cette situation pourrait potentiellement avoir des conséquences financières significatives pour lui. Les conséquences de cette situation semblent potentiellement se faire sentir sur la nouvelle trajectoire qu'il s'efforce d'établir aux côtés de Charlène, comme le suggère la plus récente publication du magazine Voici. Patrick Fiori, qui est père de deux garçons, Sevan et Gabin, né de son union avec son ex-épouse, précédente lauréate d'un concours de beauté, semble avoir ressenti une certaine tension entre la vie qu'il mène actuellement avec Charlène et les implications qui découlent de son divorce encore en cours. D'après des sources proches, le chanteur, auparavant renommé pour son tempérament festif, éprouverait actuellement une certaine sensation de limitation due à ses nouvelles responsabilités. Celui qui a jadis arboré une inclination marquée pour la célébration se voit à présent quelque peu contraint, et cela représente un fardeau plus pesant qu'il ne l'anticipait, indique la source de Voici. Afin de se soustraire à cette pression grandissante, Patrick Fiori aurait récemment rejoint Florent Pagny sur scène lors de l'événement musical AIO Festival d'Ajaccio, créant ainsi une parenthèse dans le tourbillon de ses préoccupations. Toutefois, en dépit de ces instants de divertissement, le collaborateur de Nolwenn Leroy semblerait être saisi d'inquiétude en ce qui concerne les défis à venir, notamment la perspective de son divorce. Il éprouve une appréhension considérable à ce sujet, ce qui a un impact sur son moral, confie la même source, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le rôle joué par Ariane Quatrefages avait été éclairé dans les colonnes de Nous deux en 2020, où Patrick Fiori avait été dépeint comme étant « fidèle en amour et en amitié ». Au sein de leur relation, elle exerçait le rôle de parolière, ayant contribué à la composition de plusieurs chansons pour lui.